continue encore à s'acharner. Toute raison l'a quitté depuis bien longtemps. Tu sembles l'avoir suffisamment agacée pour qu'elle daigne enfin agir elle-même. Oh, affronter une Octanta, c'était pas vraiment le but. Elle ne t'a pas laissé le choix. Elle a refusé d'entendre raison. Ok. Comment oses-tu ? Faut pas se relâcher. Elle canalise l'énergie. C'est cette immense sphère. Elle va la faire exploser. Quoi ? D'accord. Je détruis la mégasphère. Compris. Non ! Non ! Cette épreuve n'est pas terminée ! Lâchez l'affaire. Admettez que je ne suis pas coupable. Je te l'ai dit, tu ne lui feras pas entendre raison. Supprime-la. Elle est distraite. C'est le moment d'agir. Oh, nous avons fait serment d'observer les verdicts. Non ! Nous punissons ceux qui violent la loi. C'est notre devoir. Oh, ouais. Oh, chut ! Tais-toi ! Tais-toi ! Détruis ces sphères ou nous serons en mauvaise posture. Ça y est, on y est. Après, elle n'est plus la protectrice d'Avoilette. C'est une femme despotique et dérangée qui se tient devant toi. Qu'on en finisse ! Meurs ! Je vais t'anéantir, créature. Ouais. Ma botte secrète. Attention, elle va déclencher une explosion. Et pourquoi elle continue encore à s'acharner? Toute raison l'a quittée depuis bien longtemps. Le seul moyen Bonne de l'arrêter, nuit. C'est de la battre. Sois broyé, pulvérisé, et tous tes os brisés. Respire, reste calme et attends le bon moment. Pense à Sipal, à tous les gens que tu as rencontrés. Seule la mort de Prav peut les protéger. Oh, pourquoi un temps? Oh, ça suffit. Tais-toi donc. Je suis juge et partie, et j'applique les peines. Monstre pathétique. Ah ! C'est douloureux, démon. De mieux en mieux. Suspense. Ah ouais, ça. Je serai ton bourreau. Ça doit te calmer. Ah ! Recule, démon. Ça vous suffit ? Ce démon ne causera pas préjudice. Rien ne reste à plus. Bonne nuit ! Où règne la justice ? Que se passe-t-il ? L'épreuve est réussie.
Elle est bien innocente. Mensonge, hérésie. Je fais appel du jugement. L'accusée doit être exécutée. Expier tes offenses. Oh. Évapore-toi, telle l'écume des balles. Comment oses-tu? Être percé par tes cris de douleur. Ha! Oh, laisse-moi. Nous ne prononcerons aucune autre sentence. Il y a fraude. Elle t'a assurément suborné. Silence! Silence! Jugement et sans appel. Sors de l'eau, vite. Tu refuses toujours de t'engager sur la voie de la rédemption? Regarde où tu vas. Et évite à tout prix de tomber. Nous ne tolérons pas ceux qui transgressent les lois. Oh non, c'est quoi ça? Elle manipule la gravité avec ses pouvoirs. Ah. Tu ne partiras pas sans souffrir. Attention, elle arrive! Ce n'est pas le moment de s'amuser dans l'eau. Tu trouves vraiment que j'ai l'air de m'amuser, là? Sérieux? Oh. Je vengerai ma sœur. Ah! Prépare-toi. À vous, misérable. Fais chier.
Je peux plus bouger. Mais c'est quelque chose. N'importe quoi. Elle recommence. Reste sur tes gardes. Les crimes pèsent toujours plus lourd dans la balance. Oh. Comment oses-tu ? Ah. Enfin, démon, tu vas disparaître de ce monde. Secrète. Pourquoi je suis figé? Réfléchis calmement. Tu peux sûrement agir. C'est loin. Endure une souffrance à la hauteur de tes crimes. Tu as enfreint la loi suprême de nos terres. C'est bon. Souffres-tu? Seule la mort te libérera. Pas de repentir. D'autres sphères magiques. Détruis-les avant qu'elles t'atteignent. Elle va attaquer. Dépêche-toi de sortir de l'eau. Ça suffit. Il est temps de partir.
Très chère sœur. Oh, elle paie un lourd tribut. Son regard aimant. Pour sa fille perdue. Sa fille ? Mais de quoi vous parlez ? Dites-moi ! Je comprends pas ! Le démon. Enfant de Cinta. Enfant de... Enfant de Cinta, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Trave est morte. La plupart de ses enchantements ont dû disparaître avec elle. Et ? Et donc ? On va bientôt être très mouillés. Tu le savais. Quoi donc ? Toute cette histoire d'enfant de Cinta. Est-ce que tu le savais ? Tu veux dire que tu as cru cette démente ? J'en sais rien. Si c'est bien la vérité, j'ose à peine imaginer combien tu dois être bouleversé. Attends. Ça veut dire qu'elle peut toujours être à Atia ? C'est possible, en effet. Ah. Ouais, bon. Qui que ce soit, elle reste le monstre qui a abandonné son bébé. Ne te laisse pas abattre, Frey. Courage. D'ailleurs, comment dois-je t'appeler maintenant ? Votre grâce, votre altesse ? Ferme-la, tu veux ? Là, je te retrouve. Hé, Krav. Encore de nouveaux pouvoirs ? Ouais, deux Krav cette fois. Alors, on les essaie ? Et ensuite... Oh ! Celle-là sera bien.
J'ai hâte de montrer ça aux gamins. Ils auront largement de quoi se réjouir. Tous ces trucs bizarres, c'est à cause de la brume? J'imagine que oui. La vache! C'est quoi exactement cette putain de brume? Si tu cherches des réponses, il y a peut-être un moyen de les trouver. Comment ça? Autrefois, il possède peut-être... Nous avons un... Ouais. Il faut faire... Compris. Fin du trajet. Waouh, c'était rapide. Et si je suis bien la fille d'une Tanta, comment je vais pouvoir l'annoncer? Je te suggère de ne pas le faire. Le peuple est devenu hostile aux Tanta. Découvrir que tu fais partie de la famille ne les réjouirait guère. Ouais, on peut pas dire qu'elle sème la joie et la bonne humeur là où elle passe, hein? Tôt ou tard, tu devras prendre une décision importante, tu sais. Tu veux dire décider de tuer ma mère ou pas, c'est ça? Le moment venu, quel que soit ton choix, je serai là, avec toi, pour faire ce qui doit l'être. Pour l'instant, allons voir si notre cher vieux Bob peut nous apporter quelques réponses. J'aimerais comprendre.